Salut à tous, c'est Geekman, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo tant attendue par ma communauté, donc la vidéo tout simplement comment installer des véhicules sur GTA V, une vidéo très 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 demandée, comme la vidéo HeliSpeedyFR qui arrivera prochainement, ne vous inquiétez pas. Donc aujourd'hui nous allons nous occuper de certains véhicules, donc il y a des gens qui m'ont proposé des véhicules donc, comme la Ferrari 458 TB et la Bugatti Veyron, donc on va respecter leur choix, donc c'est parti. Donc en premier temps, il vous faudra télécharger OpenCat, donc OpenCat logiciel de modding, GTA 4, GTA Vice City, GTA 5. C'est avec ça qu'on mode le jeu, tout simplement pour ajouter des voitures, des modes graphiques. Vraiment, c'est un bon logiciel de modding. Ensuite, il vous faudra WinRAR, donc WinRAR, vous connaissez. J'en parle pratiquement dans chaque de mes vidéos, donc il n'y aura pas de problème. Vous faites télécharger WinRAR, hop, tranquillement. Ensuite, il vous faudra un mode menu. Donc le mode menu que je vous propose, c'est un mode menu dont j'ai fait deux vidéos hein, donc, qui ont très bien marché. C'est un mode menu sûr. Donc moi je vous dis faites bien attention aux fichiers. Donc vraiment écoutez bien la vidéo et tout se passera bien. Donc évidemment avant d'installer les voitures sur GTA 5, vous allez sur GTA 5 pour tester le mode menu s'il marche bien. Parce que si vous arrivez dans le jeu et qu'il marche pas, vous pourrez pas faire spawn la voiture. C'est le problème. Donc voilà, je vous le dis direct, c'est tout. Ensuite, il vous faudra alors deux véhicules. Alors, il y a certaines personnes qui m'ont demandé la Bugatti Veyron et la 458 Italia. Donc, c'est vraiment deux voitures qui sont revenues pour l'instant. Donc, la Bugatti Veyron, alors, je vais vous mettre le lien dans la description. Donc, GTA 5 mod, c'est un bon site hein, pour les modes sur GTA 5 ou même sur d'autres jeux. Donc, vous allez télécharger. Donc, moi, je vais commencer par la 458 Italia. Hop, spécial. C'est parti. Voilà. La Bugatti Veyron, je ne l'ai pas encore téléchargée, j'ai téléchargé tout à l'heure, hop, pour tester. Hop, voilà, ça télécharge. Voilà, on a deux fichiers. Ensuite, on va dans nos téléchargements, hop, téléchargement, Ferrari spécial.zip. Donc, n'oubliez pas WinRAR, c'est très important. Petite croix. Et là, le dossier qu'il faut récupérer, c'est 458 SPC. Voilà, ça s'appelle comme ça. Voilà, donc on va commencer déjà par ça. Donc vous avez normalement installé le logiciel OpenCat, mais ne vous l'avez pas encore ouvert. Donc je vais l'ouvrir pour vous. Donc, hop, c'est bon. Vous arrivez là, vous faites Windows. Donc si vous êtes normalement, il n'y a pas de Mac, je crois. Enfin GTA 5, il n'est pas sur Mac, donc ça va aller. Non, il y a que Windows. Donc Grand Theft Auto 5 Windows pour moi. Donc il va vous demander l'emplacement de votre jeu. Donc tout simplement, ça, tout dépend. Donc moi j'ai la version Epic Games, du coup c'est dans les dossiers Epic Games. Mais si vous avez la version Steam ou Social Club, ce sera autre part. Donc à vous de trouver les fichiers de GTA 5, tout simplement. Donc ensuite, vous allez mettre l'emplacement de vos fichiers de GTA 5 et vous allez arriver là. Donc après, vous allez faire Update, x64, DLC Pack. Et tout simplement, le fichier que vous avez déniché, 458 SPC, vous allez le glisser là. Mais avant de faire ça, il faut aller dans Tool, Asi Manager et télécharger ces deux fichiers, donc Asile Loader, voilà, hop, donc voilà, hop, je l'installe, hop, comme ça, voilà. Et OpenCat Asi, moi, je peux aussi télécharger ça, comme ça, au moins, on est tranquille. Ensuite, on fait Close, donc, vous allez faire Edit Mode, hop, oui, et puis 458 SPC, vous le glissez tout simplement ici. Normalement, il va apparaître, voilà, il est tout en bas, voilà, c'est parfait. Ensuite, il vous faudra aller retourner en arrière. Après, ensuite, Update RPF, Common, Data et DLC List. Hop, tranquille. Donc là, c'est une ligne de code. Donc il faudra faire très attention justement aux icônes, tout ça. Donc pour rajouter la 458 Italia, vous allez clic droit, Edit. Voilà, c'est la petite règle à faire. Ensuite, vous allez faire une deuxième ligne. Donc, item, moi, je dis, vous faites un petit CTRLC au moins pour ça. Voilà, CTRLC, hop, CTRLV. Voilà, au moins, vous avez déjà ça de copier. Et ensuite, vous recopiez le 458 SPC. 458 SPC, voilà. Et ensuite, vous faites très attention au petit hashtag, enfin, au petit slash, là. Et puis, vous pouvez faire un petit CTRLC, parce que c'est assez compliqué. Et CTRLV, c'est plus rapide. Voilà. Donc là, normalement, vous avez tout. Vous faites save. Hop. Et normalement, quand vous allez lancer le jeu,
la 458 sera là. Bon, on va faire les deux voitures pour l'instant, et puis après on ira sur le jeu pour voir si les voitures apparaissent bien. Ensuite, vous allez aller Bugatti Veyron V6 final point rare, hop, Bugatti Veyron, Adouane, Bugatti, voilà. Donc vous voyez le DLC RPF, vous extrayez le fichier du dossier WinRAR tout simplement, c'est sur le bureau. Ensuite, vous faites la même manipulation, donc c'est pas très compliqué, hein. C'est juste histoire de retenir un petit peu l'endroit où il faut mettre le fichier Bugatti. Donc voilà, vous vous retrouvez là, update, x64, data, pas ici, pardon, DLC pack, et puis là, normalement, Bugatti, il peut être là. Donc vous faites edit mode, oui, Bugatti. Hop, normalement il y est. Donc Bugatti est-il là? Il est là, voilà, tranquillement. Ensuite, vous allez, comme avant, update RPF, common, data. Ensuite, DLC list, XML, voilà. Bon, c'est difficile à dire. Vous faites edit, juste avant, parce que moi j'oublie à chaque fois, mais il faut le faire. Hop, vous vous retrouvez là. Et là, normalement, vous faites une autre ligne, item. DLC pack, hop, vous pouvez CTRLC ça, CTRLV, hop, et là, vous recopiez le nom du fichier qui est juste ici, donc il s'appelle Bugatti, je le sais, mais heureusement que je l'ai appris parce qu'il veut pas dégager, donc Bugatti, voilà, et vous pouvez faire un petit CTRLC et un petit CTRLV, et normalement, vous faites save. Et puis voilà, normalement, vous aurez la Bugatti Veyron et la 458 Italia tranquillement. Donc ça marche pour tous les véhicules, les gars. Donc franchement, il faut juste que ce soit Adouane ou Remplace. Voilà, Adouane et Remplace, c'est mieux. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Donc ensuite, go aller sur GTA 5 pour vous montrer que ça marche bien. Donc voilà, me voici sur GTA 5 tranquillement. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir ma vidéo pour le mode graphique, parce que bon, on peut avoir une meilleure qualité pour les véhicules. Il casse les couilles, voilà, hop. Sinon, pour le mode menu minu, c'est RB plus flèche de gauche pour une manette Xbox. Donc désolé pour le son, les gars. Je vais baisser tout ça, hop. Hop, voilà, c'est bon. Il n'y a plus rien. Ensuite, vous allez dans véhicule option, véhicule spawner. Et là ensuite un put modèle, donc 458 SPC, normalement, voilà, elle spawn, et franchement, elle est magnifique, je vous avoue qu'elle est vraiment magnifique, donc vous pouvez normalement la custom, hein, donc auto-upgrade, non, ça marche pas sur toutes les voitures, sur la Bugatti Veyron par contre, je vais vous montrer, ça marche, donc on peut l'upgrade, donc essayez de trouver sur GTA 5 mode, le site de modding, un véhicule qui se custom, parce que ce serait mieux quand même, donc vous faites Bugatti, hop, et voilà. Et là, celle-là, normalement, on peut la custom. Voilà. On peut la custom, on peut changer la couleur, comme vous voulez. Elle va très vite, voilà. Elle est superbe. Bon, elle est un petit peu une couleur banane, mais... C'est pas moche, hein, mais bon, voilà, quoi. Il y a mieux comme couleur. Sinon, j'espère que la vidéo vous aura plu, les gars. Donc, si elle vous a plu, et si vous avez bien réussi le tuto, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, les gars. Donc, merci aussi pour les 300 abonnés. Ça m'aide vraiment beaucoup, ça m'encourage vraiment beaucoup. Et puis moi, je vous dis ciao, à la prochaine pour une nouvelle vidéo pour LSPDFR.